C'est énorme, à quelques minutes du coup d'envoi de ce match à l'Albaït Stadium. Salut à toutes et à tous, on a hâte que ça commence. Au commentaire, Benjamin Da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. L'entrée en lice dans le mondial pour ces deux pays avec ce premier match de poule. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. On aime toutes les compétitions, mais un match de Coupe du Monde, c'est toujours différent. C'est ton pays, ton hymne, ton drapeau. Alex Telles, Vinicius, Casemiro, Gabriel Jesus, le ballon pour Neymar. Oh, il peut frapper là, Gabriel Jesus. Et voilà! Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier but, quelques minutes de jeu, c'est bon et c'est bon! On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse, c'est une action absolument incroyable. 1-0 donc au tableau d'affichage. Ah, les transmissions sont fluides pour créer des décalages. Mais non, c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Neymar. Vinicius. Et ça joue avec Neymar. Neymar la frappe. Choupo-Moting. Bien joué, beau geste défensif pour envoyer le ballon en corner. Et le ballon part bien. Attention, voilà un bon duel. Oui, bien fait, le danger est repoussé. Ah, la perte de balle. Gabriel Jesus. Neymar. La frappe de loin. Et il en faut plus pour surprendre le gardien à cette distance. Neymar. Le ballon pour Gabriel Jesus. Excellent timing sur cette interception. Neymar. Gabriel Jesus avec le ballon. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. Il y a du soutien pour Vinicius. Et voilà, on ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette rencontre de phase de poule du mondial. Choupo-Moting, récupération du ballon. Et attention là, Neymar. Et c'est au fond. Les voilà avec un avantage de 2 buts maintenant. Et ça commence à être plutôt confortable. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu d'éclairvoyance dans le dernier geste. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ouais, bonne intervention. Ah, il avance là, Gabriel Jesus. Oh, ça peut aller au but. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans ce genre de situation. Un changement à venir pour le Brésil. Neymar. Gabriel Jesus dans la surface. Et c'est au fond. Et 1, et 2, et 3 buts d'avance maintenant. On revoit ce but à le Carlos Bianchi au Pipo Inzaghi. Regardez, tout l'art d'être au bon endroit dans le bon moment, c'est ça. Le buteur et le bonheur. La rencontre est à sens unique. Le score reflète largement cette supériorité. Certains vont bien dormir et d'autres vont en faire des cauchemars.
Ah, sobre, mais efficace. Super intervention. Gabriel Jesus. Neymar. Interception et récupération du ballon. Marquinhos. Danilo. Rafinha. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Gabriel Jesus. Et Neymar, il peut frapper. Oui, la bonne détente. André Onana. Le changement là, côté brésilien. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion. La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau, mais du mauvais côté. Ouais, bien donné, bon coup d'œil sur ce ballon. Allez, il faut la tenter. Ouais, très bonne intervention là. Très bien défendu, sans commettre de faute. C'est la dernière minute du temps réglementaire. C'est fini, on en reste donc là pour ce premier match de groupe et ça commence plutôt bien avec cette victoire. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée.